ici en Irlande, il y a autant d'agneaux que d'habitants. Il faut dire que cette île est un paradis pour ces animaux. Nous avons invité Nicolas, un fidèle lecteur de Deleuze Magazine, pour découvrir ce qui rend l'agneau celtique de Deleuze tellement bon. Partons pour l'exploitation de William Hamilton, située à Kilcandra, dans la province de Wicklow. Les prairies vallonnées s'y étirent entre la mer et les collines. Le climat humide et doux enrichit l'écosystème des pâturages. Le sol est très fertile. Les moutons profitent de ces immenses étendues pour jouer et se régaler d'une herbe tendre et de trèfles nourrissants. C'est sur cette terre que la famille Hamilton pratique un élevage éco-responsable depuis plusieurs générations. Comme tout berger qui se respecte, William se lève tôt. À 7 heures, il inspecte son troupeau et remplit les abreuvoirs d'eau de source. Il accorde une importance primordiale au bien-être de ses moutons. Car, comme il dit lui-même, un animal qui a mené une vie paisible donnera une vie en tendre et savoureuse. La reproduction se fait, elle aussi, de manière tout à fait naturelle. Après leur naissance, les agneaux se nourrissent du lait maternel pendant 4 mois. Ayant acquis suffisamment de force, ils profiteront à leur tour de l'or vert offert par ce magnifique paysage. Quand Nicolas prépare l'agneau, il enrobe d'une croûte de pommes de terre. Bonne idée. Retrouvez sa recette sur deleuze.be.